j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau haul. Je crois que j'ai acheté deux petits trucs. J'ai acheté deux bricoles chez Action. J'ai été chez Tati. Je suis passée à Chaussea. Ma maman m'a ramené des souvenirs de l'île de Madère. Je vous présente ça. Des jolis pendants, coquillages, des petits pompons, boucles d'oreilles que vous retrouvez sur ma page de Créa Aura Création. Je vous mettrai le lien de ma boutique en barre d'informations. Là, je vous offre un code promo. Donc, c'est le code du juin. 10% de réduction sur toute la boutique en attendant les soldes. Je commence à préparer les soldes, tout ça. Je vous ai fait une jolie manchette, j'appelle ça les manchettes Ibiza parce que c'est des couleurs très très vives. Donc là c'est sur les tons orange avec un pompon, un joli éléphant. Là qu'est-ce que j'ai mis sur celui-ci? J'ai mis un petit cœur et j'ai fait celui-ci, voilà, avec une petite plume que légèrement assortie aux petites boucles d'oreilles. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ma boutique en ligne, sur ma page sur Facebook. Je vous mets tous les liens en barre d'informations. Merci pour toutes vos commandes, merci pour tous vos derniers messages après mon petit coup de gueule lors de ma dernière vidéo où je vous disais qu'il y en a qui m'emmerdaient parce que je faisais ma pub. Je suis chez moi, je vais continuer à faire ma publicité. Voilà, je me répète, je me répéterai jamais assez trop. Je fais ce que je veux sur ma chaîne, hein. Celui qui me dira quoi faire sur ma chaîne n'est pas encore né. Je continue à faire ma pub parce que moi je trouve que mes bijoux sont très jolis. Vous êtes une communauté super sympa. Vous m'avez encouragé. Si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à petite arrivée Octoly. Et quand je l'ai vu arriver, je me suis dit waouh, mais ils sont pas censés avoir fermé ELF, Eyes Lips Face. Et quand je sors du paquet, je me dis waouh, il y a un blème. Donc j'avais postulé sur Octoly pour une nouvelle palette. Hashtag palette addict, addict Amy, hein, on va pas se mentir. Et je reçois Your Cosmetics. C'est la même chose. Donc ce serait cette boîte là qui a racheté l'autre. Ou elle se serait transformée. Je sais pas trop. J'ai pas osé poser la question au service client. Peut-être que je vais oser un moment. Donc là je vais dégommer la boîte. Donc c'est une jolie palette d'Ombre à Paupières. Donc c'est la Alezane. Voilà. Donc ce produit m'a été offert gratuitement par Your. You Are Cosmetics. Et j'ai reçu avec un joli petit pinceau blending, c'est un pinceau estompeur applicateur de fard à paupières dans le creux de paupières. Petit pinceau permet de déposer les fards à paupières dans le creux de paupières pour un dégradé subtil ou un rendu fumé. Donc ouais, très sympa. Je vais l'ouvrir tout de suite, savoir si tu es dur, pas dur. J'ai acheté un autre pinceau la dernière fois sur AliExpress, je les ai lavés. Le truc il rêche, il me pique le visage, c'est noir. Je sais pas si je vais réussir à m'en servir. Ouais, ça va, c'est assez doux. J'aime beaucoup le dégradé noir et blanc comme ça, je trouve ça sympa. Je me suis mis dehors, il fait beau aujourd'hui. J'ai sorti une petite blouse très sympa, épaule dénudée. Par contre, j'ai l'air blanche, hein, mon dieu. Donc voilà, elle se présente comme ceci. You Are et Shadow. Je l'ai trouvé très très joli. Bon, je l'ai déjà swatché. Je vais vous swatcher pour vous. Les couleurs sont juste dinguissimes. J'adore. Pigmentation de folie. Hop. C'est comme les filles, elles m'encouragent. Ouais, mais fais-nous des vlogs. On adore les vlogs. J'adore faire des vlogs finalement. Je dis pas que vous en aurez un toutes les semaines, mais vous en aurez. Donc là, après, vous avez. Ça peut passer en highlight. Quoi qu'il en soit, un petit peu foncé. Et puis ça peut passer en bronzer. J'aime beaucoup. Franchement, elle est très très sympatoche. Une petite palette, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Donc on y va, on attaque. J'ai été chez Action. J'ai pris juste deux petits trucs, dont un qui est déjà ouvert. Je vous mettrai le prix en barre. Je vous mettrai là les prix dans la vidéo. Donc comme je me suis remise au sport, j'avais mis sur Instagram. J'étais me chercher une Lady Sport Bra. Donc c'est une petite brassière de sport. Pas très chère. J'ai même pas ouverte. J'ai ouvert, il y en avait un modèle là-bas. J'ai ouvert le modèle qu'il y avait. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc j'ai pris une taille SM. Parce que j'ai peu de poitrine, je suis pas très large du haut. Donc bleu comme ceci. Et j'ai pris pour baby, je le trouvais très sympa. Donc c'est un pique-nique. Pique-nique en plastique. Vous avez bouteille d'eau, gobelet, gâteau. Voilà, vous avez des trucs pour faire les sandwichs. J'ai trouvé très sympa. Il s'amuse beaucoup avec. Il aime beaucoup reproduire, alors c'est un garçon qui aime les dinettes, c'est un garçon, j'ai ma mèche là, elle me saoule, qui aime beaucoup les dinettes, qui aime beaucoup tout ce que je fais, les trucs de cuisine, les légumes en plastique, les trucs de course. Donc voilà, je me suis dit que ça serait sympa. Ensuite, je suis passée chez Claire's. J'aime aussi de temps en temps m'acheter quelques petits bijoux. Et donc là, je suis tombée, donc c'était une offre, c'était 3 achetés, 3 gratuits. Ouais, c'est ça, 3 achetés, 3 gratuits. Donc j'ai pris pour mes petits cheveux des petites pinces, mais c'est des pinces en métal. Voilà, elles sont métalliques. Donc rosé, doré et noir. Donc j'ai pris petites pinces en métal. J'ai pris un petit serre-tête. J'ai des doigts pleins de. Donc un petit serre-tête en métal.
je regarde le retour caméra, mais voilà. En métal noir. Moi, je suis quelqu'un qui en a très vite marre d'avoir ses cheveux devant les yeux. Surtout que, bon, là, je les laisse repousser pour mon carré plongeant et ça repousse n'importe comment. Puis moi, le matin, faire des brushings tout le temps. Donc, un petit serre-tête. Pareil, je vous montre le prix. Je ne sais pas. J'ai pris ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu. J'en avais quand j'étais ado. Je trouvais ça très sympa. Vous savez, c'est l'espèce de petit foulard là. C'est pas des foulards. Si moi, je mettais des bandanas dans mes cheveux. Ah, je m'accroche avec mes boucles d'oreilles. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, mais bon, là, je suis pas apprêtée, je suis pas arrangée, mais voilà. Ensuite, j'ai pris. Oh, je les ai trouvées très jolies, celles-ci. C'est des petites attrapes rêves. Elles sont sympatoches, hein, avec des dégradés de rose, de vert. Là, je dis pour l'été, franchement, elles sont très très jolies. Là, ça, j'aimerais bien faire ce genre de truc, moi, mais ces breloques-là sont hors de prix, quoi. Donc, ah oui, c'était collection attrape rêve. Donc, si je veux vous les vendre, hein, je vous les vendrai pas 4 balles. Quoi. J'ai pris ceux-là aussi qui sont très jolis avec les papillons dans les tons de bleu. Très sympa aussi. Et pour finir, j'ai pris ceux-là qui s'assortissent parfaitement avec mes petites manchettes Ibiza. Ils sont très jolis aussi en attrape rêve. J'avais oublié que j'avais pris cette attrape rêve. Ça, c'est une petite course que j'ai fait il y a un petit moment. Voilà, c'était tout. Ensuite, j'ai été faire un tour à Tati, notre petit Tati. Nous avions un petit Tati, donc pour les Amiénoises, il était situé en face du Roi Merlin, qui a fermé. Et je dis, oh putain, il ferme Tati, c'est chiant, parce que de temps en temps, j'y allais, j'arrive à trouver des trucs assez sympatoches. Et non, le Tati a réouvert, donc j'ai vu sur des prospectus, et donc j'ai jeté un œil, et en fait, maintenant, il est à la place du Gémeaux, juste en face de Carrefour. Il a juste changé de place, et là, il est gigantesque, le truc. Ils font même de la déco, chose qu'ils ne faisaient pas avant parce qu'ils n'avaient pas de place. Ils font des jouets, ils en faisaient très peu avant parce qu'ils n'avaient pas de place. Le rayon make-up m'a déçu dans le sens où j'ai pas trouvé les palettes. Il y en a qui trouvent des palettes de maquillage, tout ça, et pas grand chose. Mais j'ai quand même réussi à me trouver des petits trucs, dont ce jegging-là. Pas trop cher en plus, j'ai payé 7,99€, donc j'ai pris une taille 38. On a l'air. Non, je l'avais essayé. Je suis en surpoids en ce moment, il faut que je perde absolument mes 5 kilos, j'ai super mal au dos. Donc c'est pour ça, de sport, diététique, là j'étais idol, j'étais à me chercher du, tout ce qui est muesli bio, tout ça, parce que voilà. J'ai trouvé aussi cette jolie possette NNS, 2,50€, elle est très jolie, elle existe en plusieurs coloris, mais franchement, très sympa. Je suis une fan de pochettes, moi j'adore. J'ai trouvé cette jolie brume, rêve d'évasion, lac de Bali de la marque La Vie est à nous, brume parfumée à l'extrait de fleurs de lotus, il y en avait plusieurs, 4,99€ je crois. Oh, le truc de fou, elle sent trop bon, laisse tomber, si vous avez l'occasion de sentir, il y avait des testeurs, tout ça, mais sentez-la, j'adore. Et j'ai pris pour finir chez Tati une petite paire. Ça faisait longtemps que je voulais m'acheter des espadrilles. Donc là, je les ai payées 4,99€. Elles étaient sur la pub. Il y en avait de toutes les couleurs, des bleus, des beiges. Il y avait imprimé comme ça un petit peu léopard. Il y avait imprimé militaire. Donc j'ai pris la taille 37,4. Hein. J'ai tout petit pied. Et voilà, ça faisait très longtemps que j'en voulais. Ensuite, je suis passée chez les chaussées. Je voulais partir acheter des chaussons pour bébé, des petits chaussons Mickey. Je les ai pas là, il les porte au pied, donc je vous les montrerai pas. Et ça faisait longtemps que je voulais m'acheter. J'ai posté une photo sur Instagram des Derby. Trop belle. Je les ai payées 29,99€, je crois. Ouais, 29,95€. Ah, franchement, elles sont sympas. Je les ai essayées, c'est du 37 pareil. Elles sont confortables. Oh, j'en avais pas des comme ça. Et quand vous regardez, elles sont légèrement, je sais pas moi, c'est argenté quoi. J'adore. Oh, elles sont magnifiques. J'adore ça pour porter avec un petit jean. Franchement, trop sympa. Je les aime. Dernière petite course. Je suis allée en ville avec ma mère. Rendez-vous gynécologique féminin. Et je suis tombée sur en ce moment sur un an, ils vendent beaucoup, enfin ils ouvrent beaucoup de boutiques éphémères. Donc il y a une boutique dans laquelle je suis rentrée, savoir si je pouvais exposer mes bijoux, donc j'aurai la réponse dans pas longtemps. C'est la boutique qui est juste en face de la poste. Et donc là je suis tombée sur une autre boutique éphémère, juste en face du McDo, donc pour les Amiénoises, et c'est une boutique éphémère qui déstockait des produits de beauté, donc moins 50, moins 70%. J'y suis rentrée, j'ai trouvé quelques bricoles, mais le magasin restait quand même vachement cher, parce que vous avez des poudres Je mets Maybelline à 8€. Je trouvais que ça faisait cher quand même pour des poudres Maybelline. Mais bon, je suis tombée sur l'affaire du siècle, je suis tombée sur ça. Marque Mixa Intensif Minceur. Donc c'est un shorty minceur cuisse, abdos, fessiers. Donc c'est des shorties qui sont imprégnés de caféine déstockante micro-encapsulée. Vous savez, il y a déjà la caféine à l'intérieur. Vous la portez toute la journée.
Ouais, ils disent que vous pouvez même le porter la nuit. Donc, objectif, une taille en moins. Et ça, je voulais me le commander sur Amazon. Et sur Amazon, c'était 20 euros le shorty. Là, je l'ai eu à 6,99. Donc, je ne sais pas si j'ai fait une bonne affaire par rapport au prix qu'il y a en grande surface. Mais là, j'ai trouvé que par rapport au prix d'Amazon, c'était une super affaire. Donc, j'ai pris la taille SM. Bon, il est noir. Il est tout simple. Et donc, ça, je pense que je vais le porter la nuit pendant que je dors. Je sais bien que ça ne me fera pas perdre de taille en moi, hein. Ça sera juste pour affermir ma peau parce que je suis gonflée, blindée, restructurée par la cellulite. C'est juste une horreur, j'en ai partout, même là, sous les bras. Ça c'est l'effet yo-yo, hein. L'effet yo-yo quand tu prends 30 kilos pendant ta grossesse, j'ai quand même eu 3 enfants. Donc tu as le corps carrément moins ferme que quand tu as 25 ans et que tu n'as pas eu de gosse. Voilà, donc ça, ce sera vraiment pour affermir ma peau. Ils disent que les actifs du shorty tiennent jusqu'à 30 lavages. Bon, on va voir. Mais limite, si je retourne, je me reprendrai. Il y avait cette marque-là, il y avait la marque Mixa et il y avait la marque Nivea qui fait aussi, je crois. Et franchement, excellente affaire. Ma mère, elle s'en est pris un, mais il est trop petit. Donc, je pense que je vais finir par... Ensuite, on est tombé sur deux parfums. Donc, vous avez The One Lady Imitation Lady Million et vous avez Black Onyx Body Language Imitation Jean-Paul Gaultier. Il y en a une, elle était en train de s'asperger de parfum et là, j'ai dit, waouh, ça sent le Jean-Paul Gaultier. Donc je vais aller voir. Et puis bon, la bouteille, elle est relativement identique. Et franchement, hop. Des petits parfums à 2,99€, je crois. Oh ouais. Mais ils tiennent. Ils tiennent parce que moi, je m'en suis parfumée dans le magasin. Et je peux vous assurer, on était le matin. Et je peux vous assurer que l'après-midi, je sentais encore le Jean-Paul Gaultier. Donc par rapport à ceux d'Action, oh là là, l'odeur. C'est un de mes parfums préférés, celui de Jean-Paul Gaultier. Par rapport à ceux d'Action que vous avez payé moins cher, ils tiennent pas du tout, hein, on va pas se mentir. Ils tiennent pas ceux d'Action. Pourtant, j'en ai une tripotée qu'il va falloir que j'utilise. Et donc, ça, c'est pareil, c'est un de mes préférés de tous les temps, c'est le Lady Million de Paco Rabanne. Donc, si vous avez un cadeau à me faire, Lady Million. Ah, ils sont bons aussi, j'adore, c'est un nommé prêt. Et pour finir, moi qui suis toujours en quête des laits sous la douche que je ne connais pas, bah, j'ai trouvé celui-ci, le Garnier Body. Sous la douche, donc c'est pour les peaux sèches, à très sèche, huile nourrissante et monoeil. J'ai senti que ça sent trop rien, j'étais même déçue. Ouais, c'est vraiment très très léger. Bon, 1,99€, je me suis dit que j'avais quand même fait une bonne affaire parce que même celui de la marque Carrefour, le tout simple, il est beaucoup plus cher. Oh là là, de toute façon, Jean-Paul Gaultier, je m'en suis foutu plein dans le nez. Et donc voilà, on va tester 30% d'huile nourrissante et monoeil, les hydratants 24 heures. Bon, on va voir. Je vous dirai ce que j'en pense dans les prochains. Voilà, c'était tout pour ce petit haul de tous mes derniers petits achats. Voilà, comme ça, je vais pouvoir tout ranger, tout tester, tout porter. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.